Bonjour, c'est Samy Grave et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes potions Harry Potter. Donc c'est tout facile, c'est facile à faire. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du Bazar Emeraude. Le Bazar Emeraude, c'est vraiment c'est cette chaîne, moi à chaque fois qu'il y a une vidéo de plus je la regarde. C'est trop bien, ça vous apprend à faire des objets et tout. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire. Je vais plus vous montrer mes potions Harry Potter. Donc on va commencer par la plus petite. C'est la Mortensia. C'est la potion de l'amour vrai. Donc à l'intérieur j'ai mis de la peinture rose et des petits. Je sais pas comment on appelle ça, mais si vous savez, bon, des étoiles au fond qui sont au fond. Il y en a une rouge et une là. Je sais pas si vous la voyez ici, un peu dorée. Montrez là, juste avant. Là, si vous la voyez un petit peu. Et donc là, il y a une rouge. Et là, vous la voyez. Après, il y a des petites. Je sais pas comment on appelle ça du tout. Si vous savez, vous pouvez me le dire, s'il vous plaît. Après, du bézoar. C'est pas du tout du bézoar, mais c'est que ça, je l'avais acheté comme ça, cette boîte. Et je me suis dit, je vais la laisser comme ça. Et donc, j'ai rajouté bézoar et j'ai mis du papier alu. En fait, c'était ce capuchon-là. Il allait avec ça. Sauf que j'en avais pas de capuchon pour ça. Et comme ça, j'ai fait le test et ça tombait pas. C'était collé à l'intérieur. On a mis du papier alu là au lieu d'en mettre là parce qu'il y avait de l'eau. Enfin, c'était un peu logique, voilà. Donc, voilà. Et je trouve que c'est joli avec la ficelle, ça fait rigolo, assez joli même. Alors, Polyjuice Potion, c'est la potion du polynectar. Donc, je l'ai peinte en marron. Dedans, il y a des herbes sèches, des herbes normales. J'ai mis deux bouts de bois comme ça pour faire comme ça, pour faire joli. Voilà, et donc j'ai pâté la puchon, donc c'est un peu pour ça que j'ai mis ça, mais ça va quand même couler. Peut-être que je mettrai du papier alu, je sais pas, il faudra que j'en trouve un. Voilà, parce que j'ai peur que ça se casse ou que ça tombe. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer la potion du Felix Felicis, communément appelée chance liquide. Donc voilà, elle est toute simple, elle est toute jaune, j'ai rien rajouté. J'ai acheté avec une bille, c'est joli, elle est très jolie la bille, elle est un peu violette. Désolée pour les lumières, hein, si vous voulez. Je vais allumer. Voilà. Donc voilà. Donc la potion de Felix Felicis. Voilà. Toute simple. Peinte en jaune. Voilà. Après, la potion de goutte de mort-vivant. Voilà, avec une tête de mort. J'ai trouvé assez jolie. Donc je l'ai collée dessus. Donc à l'intérieur j'ai mis de la peinture noire et des herbes sèches. Je crois que vous voyez. Il faudrait même que je rajoute un peu de peinture noire parce qu'elle devient un peu blanc. Enfin un peu violette. La bouteille elle est violette donc c'est un peu. J'ai pas trop mis de peinture noire, faudrait que j'en remette un peu plus. Si vous voyez pas. Voilà, là vous voyez normalement des herbes sèches. Ici, voilà. Et donc, le fameux jus de citrouille. Le jus de citrouille, voilà. Donc à l'intérieur, donc le bouchon, il rentre pas vraiment, voilà. J'ai acheté Ikea, normalement c'était un vase, mais je me suis dit pour 1€, ça va être bien, peut-être que je pourrais faire des choses à l'intérieur. Je pourrais faire des potions, voilà. Donc j'ai mis des herbes, des potions, des racines d'herbes, j'ai mis 3, et après j'ai mis de la peinture orange, voilà. C'est tout simple, quoi. Donc voilà, et j'ai imprimé tout ça. Donc tout ça, toutes les étiquettes étaient là-dessus. Je vais vous montrer. Bien sûr, je les ai découpées. C'est pour ça qu'il en manque. Toutes celles qui manquent, elles sont là. Voilà. Donc, je vais un peu... papier alu, c'est décroché. Voilà, donc je vous les montre un peu. Plus près. Un peu plus près, ça sera peut-être un peu mieux. Là. Le Mortensia, un goût de mort-vivant et le jus de citrouille. Voilà. Donc vous voyez pas très bien le jus de citrouille de Mortensia. C'est pas très grave, mais bon. Voilà, après, ça c'est
Il y en a un qui fait rire, c'est la poudre de Perlimpinpin. C'est assez rigolo comme nom. Voilà. Donc celui-là qui manque, c'est jus de citrouille. C'est celui-là. Je vais vous montrer. Hop là, c'est jus de citrouille, celui-là qui est là. Voilà. Après. Voilà, donc. Bon, je t'ai pas dit là-dessus. Donc ce qui manquait là-dessus, je vais remettre ça. Tant pis, je le remettrai après. Donc celui-là qui manque, je crois que c'est le Félix Félicis ici. Donc celle-ci. Celle-ci, quoi. Voilà, là. Voilà. Après, celle qui manque ici, je crois que c'est la goutte de mort-vivant. Et celui qui manque ici, là, c'est le bézoard. Voilà. Et donc là, un dernier, c'est 10 magnettes que j'ai imprimées et ça rend assez joli. Donc voilà. Harry Potter, bien sûr, je ne me servirai pas pour des potions. Mais les autres, voilà. Et celle qui était là, normalement, c'est le... C'est là. C'était lequel? C'est le Polyjuice Potion. Celui-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre la Mortensia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ma prochaine sera sûrement... comment fabriquer un objet Harry Potter. Enfin là, c'est pas sûrement, mais c'est, j'en suis sûre. Et j'en suis sûre et certain. Et je vous dis que bientôt, sur mon blog, à partir du 7 septembre, je ferai pas une émission, mais à partir de 19h, je ferai une émission, une émission sur Harry Potter. Ça durera 10-15 minutes, comme le Potter Show, mais ça dure très longtemps. Je me suis un peu inspirée de ça, mais ça sera pas du tout pareil. Ça s'appellera aussi Potter Show, mais ça sera pas du tout pareil. Voilà, j'espère que vous pourrez le voir. Ça sera sur mon blog, pottersam.emoncite.com. Le lien est dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, à bientôt. Enfin, on n'a pas à bientôt, mais à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.